Quel bouleversement va provoquer l'ambulatoire dans la structure hospitalière traditionnelle? Une des nombreuses questions que se sont posées les intervenants du deuxième Hub Santé organisé par la Provence. Les hôpitaux marseillais se préparent à cette transition. L'hôpital en fait se restructure autour du flux du patient. Et aujourd'hui, en fait, le patient devient au cœur du dispositif. C'est vrai qu'on parle de moins en moins d'hospitalisation par secteur et de plus en plus d'hospitalisation qui va être centrée sur un parcours, sur une fluidité et une rapidité. La PHM, il faut qu'elle soit à la promotion de l'hospitalisation ambulatoire, non seulement dans les gestes courants, mais dans les gestes lourds. Montrer que la place de la chirurgie ambulatoire peut se développer encore et montrer qu'il y a de l'innovation dans le domaine de la chirurgie ambulatoire, c'est le rôle de l'hospitalisation à Marseille. Nous préparons une grosse opération qui durera plusieurs années de restructuration de l'ensemble de nos bâtiments hospitaliers à Timone, à La Conception et à l'Hôpital Nord pour les premiers chantiers, nous espérons, en 2019 jusqu'en 2024. Donc c'est une grosse opération qui nous permettra de nous mettre à jour et de transformer complètement les prises en charge des patients.